Bonjour, bonjour les amis, on se trouve ici pour une nouvelle vidéo. Voilà, je suis apparu du ciel, comme vous voyez, petit montage avec OBS et un petit brin d'humour aussi, voilà, c'est un peu le but aussi. Bienvenue en tout cas pour ce nouveau dossier, ou en tout cas la suite de ce dossier consacré à Assetto Corsa. Donc nous sommes ici à la partie 3. Si vous n'avez pas vu la partie 2, 1 et introduction, ben, je vous invite à le faire pour un peu suivre en fait le pourquoi je fais ce tuto dossier sur Assetto Corsa en plusieurs parties. On va voir aujourd'hui en fait déjà quelque chose d'un peu plus conséquent par rapport au dossier 2, partie 2 et 1. On va voir ici les graphismes, le réglage des graphismes et comment aussi améliorer le framerate. C'est quoi le framerate si peut-être les personnes se posent des questions. Le framerate, on va dire en langage français, ce sont les images par seconde. C'est ce que nos yeux voient. Et pour vous donner un exemple, lorsque vous allez au cinéma, ben là, le framerate ou les images par seconde que vous allez percevoir sont de 24 images à 24 images par seconde. Ce qui paraît fort bas, mais la seule différence ou la grosse différence qu'au cinéma ils utilisent, c'est qu'en fait ils n'utilisent pas deux images, mais ils utilisent trois images. Et c'est un effet flou. Donc la troisième image était un flou qui rajoute en fait aux deux images. Et ça donne cette impression de fluidité. Parce qu'en fait, en totalité, vous n'avez que 24 images à la seconde. Alors imaginez-vous que demain, vous ayez 24 images à la seconde. Dans l'exemple d'ici d'Assetto Corsa, ben je peux vous dire que vous allez arrêter de jouer parce que vous allez vraiment avoir une image hachée, une image saccadée, ou plutôt voilà, avec des à-coups. Voilà, c'est quasiment impossible de jouer aussi bas au niveau vitesse par seconde. Et on va dire que pour avoir une fluidité exemplaire ou une bonne fluidité pour un jeu de course, en tout cas, pour ici, on parle ici d'Assetto Corsa, mais c'est valable pour tous les jeux, que ce soit Race Room et autres. Pour avoir une bonne fluidité, il faut essayer d'avoir quand même un minimum ces 60 images à la seconde. Alors, quand vous voyez maintenant à l'heure actuelle, ben sur console, c'est toujours souvent les discussions inutiles que je vois souvent, 30 images, 60 images, etc. Maintenant, pour avoir une bonne fluidité, c'est vrai que sur console, l'avantage, c'est que les jeux sont optimalisés pour atteindre on va dire, autant d'images à la seconde. Par contre, sur le PC, ben, il y a tellement de facteurs à respecter. Par exemple, déjà, on va commencer par les composants, l'ordinateur, même la puissance de votre ordinateur, le type de carte vidéo, processeur, mémoire, et j'en passe. Et alors, il y a les deuxièmes composants, qui est quand même pas des moindres, c'est votre écran. Votre écran, ben, à quel... également et synchronisé avec votre carte vidéo. Est-ce que vous êtes à 60 Hz, vous êtes à 75 Hz, vous êtes à... Voilà, ça c'est aussi des points importants que nous allons regarder. Je vais pas trop rentrer dans ces détails-là, mais c'est simplement vous montrer que l'importance d'avoir un bon framerate continu. Là vous allez aussi voir les tests que j'ai fait, vous montrer par exemple lorsque vous roulez avec une voiture et vous roulez sur un circuit avec 25 voitures, vous allez voir aussi que votre framerate va considérablement chuter. Tout naturellement, c'est lié à la qualité de vos graphismes, au réglage de vos graphismes. Et ça, c'est ce que nous allons voir ici dans Assetto Corsa. Déjà en premier temps, comment bien régler dans Assetto Corsa. Je vous montrerai ou je vous montre mes réglages à moi. Je vous montre aussi la différence entre une actionner ceci et cela. Et alors par après, je vais vous aussi vous montrer comment améliorer. Vous voyez déjà en haut à droite, sur l'écran de droite plutôt, une petite intro ou plutôt une vidéo montrant les améliorations qu'on peut apporter dans Assetto Corsa sans perdre une qualité d'image. Alors ça, c'est un mod, c'est pas moi qui l'a fait ou qui l'ai fait plutôt, mais c'est vraiment un super mod qui va déjà qualitativement, je dis bien qualitativement, donner un meilleur visuel sur tous les circuits. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce tuto, donc consacré à Assetto Corsa.
encore ça dans la partie 3 et on se retrouve directement. Voilà les amis, donc on est ici donc pour la suite de ce dossier tuto consacré à cette Corsa Elsom dans la partie 3. Nous allons voir ici en premier temps au niveau réglage des graphiques. Je voulais simplement encore clôturer cette petite introduction concernant, on va dire, le framerate et les images par seconde. Je vous mets ici par exemple un petit exemple. Au niveau framerate, vous avez en fait trois exemples concrets. Vous avez, en commençant par le bas, vous avez en fait 24 images à la seconde. C'est ce qu'en fait on utilise généralement au cinéma avec cet effet flou. On voit ça souvent aussi dans les jeux, cet effet flou. En fait, cet effet flou va donner l'impression à vos yeux que vous avez plus d'images à la seconde. Mais en fin de compte, c'est pas vrai. C'est simplement que vous avez, ou les éditeurs ont introduit, entre guillemets, c'est comme les films, on a introduit une troisième image superposée et ça donne un peu cet effet flou et ça donne vraiment cette impression d'avoir 60 images ou même plus, ce qui est totalement faux. Alors vous avez l'exemple du milieu. Les 24 images à la seconde qui sont les 24 images à la seconde classiques, et vous avez tout en haut 60 images à la seconde. Alors faites-vous l'exercice, fixez l'écran, fixez ces trois boules en même temps et déterminez pour vous quelle est l'image la plus fluide. Pour moi c'est clair en tout cas, mais c'est à vous de déterminer et c'est pour un peu vous expliquer l'importance d'avoir une bonne image à la seconde ou un bon framerate, c'est-à-dire moi j'estime avoir, si j'ai une constante ou une continue 60 images à la seconde, je suis content, je pense que c'est impeccable. Naturellement, si votre PC et votre carte vidéo etc est beaucoup plus performante et vous pouvez monter beaucoup plus haut, ben c'est clair, si vous avez 100 images à la seconde ou 150, ben ça c'est encore mieux parce que là ben, vous avez vraiment une marge de sécurité énorme, même avec autant de voitures sur le circuit etc, avec on va dire tout à fond dans vos réglages etc. Moi je vais vous montrer en tout cas que ça sert à rien, je pense que je l'ai également montré sur Project Car. C'est un peu comme le volant. Quand vous réglez votre volant, force feedback, j'en ai aussi vu énormément de conneries sur internet ou sur les forums, c'est pas parce que vous ouvrez les robinets à fond de votre force feedback que vous allez avoir tous les ressentis. Oui, vous allez avoir énormément de retours de force feedback, mais vous allez perdre votre volant. C'est un peu comme j'avais expliqué dans Assetto Corsa, c'est une ligne. C'est votre ligne continue de puissance que vous allez avoir. Mais quand vous allez ouvrir le robinet, le problème, c'est que vous allez dépasser avec des courbes. Ce sont des courbes. C'est un peu comme le son, c'est pareil. Vous allez avoir des courbes et toutes les courbes qui vont dépasser cette ligne rouge, ça veut dire que vous allez avoir du clipping. Et le clipping, c'est une saturation. Et quand vous saturez, ben, vous perdez des informations. Donc, à ce moment-là, ça ne sert à rien d'ouvrir le robinet. C'est un peu la même chose pour la carte vidéo ou pour le réglage de vos graphismes. Si vous allez ouvrir tout à fond et que votre PC entre guillemets ne le permet pas, ben vous allez peut-être avoir une très très belle image, mais vous allez avoir une très grosse conséquence dans le framerate ou dans les images par seconde, et vous allez perdre en fait inutilement, pour ma part je trouve inutilement. Je vais vous montrer en fait dans la partie réglage, ou plutôt la partie graphisme et réglage de Assetto Corsa, ben, quelles sont les choses importantes, qu'est-ce qui est utile et pas utile, et il y a des choses qui sont inutiles à actionner, d'autres qui sont utiles. Donc voilà, c'est un peu trouver un compromis. Moi j'essaie toujours de trouver un compromis entre qualité et fluidité. Maintenant, je suis quelqu'un qui aime bien la qualité visuelle, c'est clair, quand vous avez un jeu et qui vous, on va dire, explose les rétines, c'est bien. Mais naturellement, pour moi personnellement, dans un jeu de simulation de course, moi ma priorité numéro 1, c'est la fluidité du jeu. Et je répète, ça reste quand même toujours numéro 1. Et ça, c'est pour vous montrer qu'il y a moyen de trouver un bon compromis. Et ça, c'est ce que nous allons voir dans la suite de ce dossier concernant la partie 3, donc de Assetto Corsa. A tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve ici directement donc dans le jeu Assetto Corsa. Alors tenez pas compte effectivement de ces petits détails que je vous montre ici. Bon, moi j'ai un triple screen. Bon, si vous avez un triple screen, ben normalement vous savez qu'ici vous allez avoir 5760 ou autre x 1080. Ici vous allez avoir triple screen et ici vous allez avoir plein écran. Par contre, pour les gens qui ont un seul écran, ben ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est les résolutions pour un écran en Full HD, 1920 x 1080, simple écran, et naturellement ceci doit être coché. Alors là, chose importante, c'est ceci. En tout cas, bon, ben, c'est souvent des choses que je vois sur Internet aussi. Je vois des fois des conneries. La synchronisation verticale,
pour faire, on va dire, dans un langage compréhensif, ça va permettre en fait de faire afficher vos images sans avoir de déchirure. Je prends l'exemple, en fait, quand vous prenez une image et une deuxième, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite, lorsque la synchronisation verticale n'est pas activée, vous serez de voir. Maintenant, c'est à vous de voir si vous constatez dans vos images que vous avez des genres de déchirures dans vos images. Ça veut dire que vous allez devoir, pour résoudre cela, activer la synchronisation verticale. Naturellement, faut tenir compte que la synchronisation verticale va manger ou va plutôt utiliser beaucoup plus de ressources de votre PC, de votre processeur, de vos mémoires, etc., etc. Ici, quel est le bon compromis? Ben, je pense qu'ici, il faut tester. Moi, je peux vous dire, en tout cas, j'ai testé pas mal de choses. Pour moi, en tout cas, vous avez plusieurs possibilités. En tout cas, vous avez plusieurs pistes. En tout cas, je parle ici pour les gens qui ont une carte vidéo Nvidia. Dans mon cas, j'ai une 1080 Ti. Alors, moi, j'ai décidé, en tout cas, de désactiver la synchronisation verticale. Vous avez cette option ici, qui est en fait, va limiter les images à la seconde. Alors, je vais par exemple donner un exemple. Moi, j'ai 60 images. J'ai un écran 60 Hz. Imaginez-vous que je veux bloquer, avoir toujours 60 images à la seconde, c'est-à-dire je vais bloquer la synchronisation verticale de mes écrans par rapport à la carte vidéo et par au framerate, donc par rapport aux images à la seconde. Je vais dire à ce moment-là, il faut activer ceci. Et vous avez la deuxième possibilité, c'est de bloquer ici en mettant 60 images à la seconde. Donc, ce qui voudra dire que vous allez toujours avoir 60 images à la seconde. Oui et non, parce qu'en fait, ça dépendra aussi de votre puissance, de votre PC. Est-ce qu'il affiche une voiture ou 20 voitures? Donc ça, c'est un truc que vous allez devoir tester. N'oubliez pas, lorsque vous faites ceci, c'est que c'est clair que vous allez avoir 60 images à la seconde, mais dans les moments chauds ou dans les moments votre jeu ou dans les moments d'une partie, vous avez beaucoup de détails, votre circuit, etc., et que le PC, la carte vidéo doit calculer tout ça, vous allez avoir des ralentissements. Vous risquez de voir votre framerate chuter, et là à ce moment-là, bah, vous pouvez passer de 60 à 40 ou à 30, et là, bon, là, ça, vous allez commencer à voir directement la différence. C'est ce que j'ai expliqué il y a quelques minutes sur la perception de vos yeux par rapport aux images à la seconde. Mais effectivement, ici, ça dépend naturellement, chaque config est différent. Donc, moi, je vous conseille de tester ça. Vous avez cette première possibilité. Si vous voyez par exemple que vous avez des images déchirées et que voilà, vous n'avez pas un bon framerate, alors tenez compte que vous pouvez cocher ceci et mettre 60, parce que tenez compte en fonction des Hertz de votre écran. Si vous avez maintenant un 75 Hz ou 75 Hz, là il faut le mettre à 75. Si vous avez par exemple un écran, vous avez des écrans plus haut et même qui vont jusqu'à 144 Hz, je prends l'exemple ici, là à ce moment-là vous pouvez actionner la synchronisation verticale et là vous mettez sur 144 FPS. Donc veuillez à toujours synchroniser. Donc si vous actionnez la synchronisation verticale, c'est de le mettre on va dire, à la même lignée que vos écrans. Si vous avez un 60 Hz, ça sert à rien d'aller mettre ici 200. C'est complètement inutile, vous allez bouffer les ressources pour rien. Donc si vous avez un 60 Hz, vous mettez 60 et ainsi de suite. Donc ça, c'est la première possibilité, et on va voir directement quelle est la deuxième possibilité que vous pouvez tester. Voilà, donc la deuxième possibilité que vous pouvez tester, en tout cas je répète, c'est une config que je montre de ma part et c'est des tests que j'ai fait sur mon PC. Alors si vous voulez voir le résultat que ça donne sur votre PC, ben, je vous conseille de faire le test et vous voyez ce qui s'adapte le mieux en fonction de votre configuration. Donc ça, c'est un point très important à préciser. Alors la deuxième possibilité que moi je peux vous proposer, c'est de désactiver la synchronisation verticale dans le jeu. C'est également de mettre ceci sur off et c'est de mettre dans votre panneau de configuration, attention, j'insiste bien, ceci concerne les cartes Nvidia et les cartes Nvidia, on va dire récentes, hein, 1080, etc., 970, etc., donc pas des cartes vidéo d'il y a 10 ans, façon de parler. Je pense pas que vous jouez à 7 encore ça sur une carte vidéo si vieille, etc. Mais ici, le plus important, c'est lorsque vous allez dans donc les panneaux de configuration de votre Nvidia et vous allez dans gérer les paramètres 3D, vous allez en fait descendre, parce que vous avez ici une barre pour descendre et monter. Vous allez simplement aller tout en bas et vous allez voir ici synchronisation verticale. Alors quand vous allez aller là-dessus, vous allez voir une tartine désactivée, activée, adaptif, moitié la fréquence, rafraîchissement rapide. Alors moi,
J'ai d'abord essayé sur désactiver. Vous pouvez le faire. Désactiver dans le jeu, désactiver dans le panneau de configuration. J'ai déjà essayé avec des comptes désactiver dans le jeu et activer dans le panneau de configuration. Et pour moi, ce qui est le bon compromis, d'ailleurs, vous pouvez lire un peu ici, hein, moi, je l'ai mis sur adaptif. En fait, ce qui veut dire, quand vous mettez sur adaptif, je vais vous simplement vous montrer. Voilà, ici, je vais d'abord faire ceci de cette manière-là. Voilà. Ah oui, ça marche pas comme ça. Je vais le faire ici. Voilà. Lorsque vous voyez ici, il est indiqué bah, désactiver, blabla, activer, blabla, etc. Alors, quand vous allez sur adaptif, limite la fréquence de rendu du graphique, processeur graphique, comme option. NVSync activé. Mais si la fréquence rendue est inférieure à la fréquence de rafraîchissement, cette option autorisera des déformations. Vous obtenez ainsi un bon compromis entre la qualité et performance en éliminant les déformations fréquences de rafraîchissement élevées, tout en évitant des pertes de performance. Ce qui veut dire en langage français, lorsque vous utilisez ce système, on va dire adaptif, que je vais de nouveau activer. En fait, là, il va s'adapter en fonction de vos écrans, c'est-à-dire 60, 75, etc. Mais l'avantage, c'est que 1, il va consommer beaucoup moins de ressources processeurs, etc. Et là, vous allez aussi avoir ce problème qui va être résolu au niveau visuel concernant les fameuses déchirures dans vos écrans. Donc moi, après moi, mes tests avec ma config, moi j'estime ou je trouve que j'obtiens le meilleur résultat qualitatif. Mais surtout, je n'ai pas de déchirure dans mes écrans et à ce moment-là, j'ai mis la synchronisation verticale adaptif directement dans le panneau de configuration de la Nvidia et je vais modifier parce que j'ai touché. Je vais simplement attendre qu'il va s'éteindre à nouveau. Voilà, hop. Et dans le jeu, vous désactivez la synchronisation verticale et vous mettez l'élimination du nombre d'images par seconde. Vous le mettez sur off. Voilà, ça, ce sont les pour moi, les deux options que vous avez, c'est à vous de voir qu'est-ce qui s'adapte le mieux pour votre PC. Mais en tout cas, je peux vous dire, ceci a déjà une grosse importance sur la qualité, mais surtout sur le framerate par rapport à ce que je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, donc de ce tuto. Voilà, nous retrouvons directement dans le jeu Assetto Corsa et on va voir juste ici la suite concernant les réglages que moi j'ai opté donc dans Assetto Corsa. Ça a un rapport, on va dire, au framerate, donc aux images par seconde. Tenez simplement compte que ceci est suivant ma configuration. Vous pouvez tester. Donc moi j'ai une carte graphique 1080 Ti. Vous pouvez voir ma configuration dans le descriptif de cette vidéo également aussi. Donc vous voyez, vous pouvez comparer en fonction de votre configuration. Mais moi je vous conseille, c'est de faire des tests au fur à mesure. Je vous montrerai par la suite de cette vidéo mais comment vérifier vos images par seconde. Vous allez pouvoir voir ça directement dans le jeu. C'est sur cette base-là que moi j'ai fait mes tests en modifiant avec les modes, etc. Donc ça, je vais vous montrer tout de suite l'astuce dans le jeu Assetto Corsa. Alors ici, simplement pour vous montrer, bon, moi j'ai mis le filtrage anisotropique sur x8, l'anti-aliasing sur x2. J'ai essayé x4, x2, etc. Moi, c'est le meilleur compromis que j'ai trouvé. Donc je n'ai pas de perte de performance. Alors au niveau détail de l'environnement, ben là mon PC et ma configuration le permet, je pourrais mettre sur Very High et Maximum. Bon, j'ai choisi Maximum. Niveau des ombres, alors ça c'est un buffer de frame, faites attention. Moi je peux même conseiller de le mettre sur Low. Il faut tester en fonction de sa puissance. Moi, j'ai sur High, ça ne pose pas de problème. Allez, je veux dire, en tout cas, c'est vrai que vous voyez, vous gagnez quelques frames, quelques images par seconde. Je ne veux pas dire 10, mais quelques-uns, par exemple, quand vous mettez sur Low. Donc, c'est à vous de tester. Ça va enlever un peu, on va dire, bah, c'est comme l'indiqué, niveau des ombres. Ça va être un peu moins soigné ou moins visible. Donc, c'est à vous de tester un peu, voir ce que ça donne. Donc, ça, c'est pour déjà en premier temps cette partie-là. Et nous allons encore juste voir ceci parce que le reste c'est pour la suite de ce dossier. Je regarde avec vous. Vous avez ici dans les effets, ça également faites attention. C'est on va dire la gestion de la fumée. C'est également un buffer de frame. Mon PC le permet. Donc moi je l'ai mis sur High. Vous avez High, Normal, Low, Very Low ou Off. C'est à vous de voir. C'est aussi au fur et à mesure que vous devez tester. Moi je vous conseille en tout cas de commencer par la V-synchronisation. De faire ce que je vous ai expliqué là tout de suite. Et puis par après, c'est de faire ceci, de regarder ces deux-là.
Et une fois que vous avez trouvé votre bonheur ici, vous continuez par la suite et vous faites chaque fois un test. Moi, ça m'a pris une plombe à tester tout ça parce que je vais chaque fois rentrer, sortir du jeu, regarder les images par seconde. Mais moi, je peux vous dire que ça m'a beaucoup aidé à trouver le bon compromis. Moi, c'est la meilleure manière de vraiment bien régler son jeu. Et une fois que vous avez fait ça, vous n'y touchez plus et vous êtes tranquille. Ceci est une application que vous pouvez faire pour tous les jeux, naturellement. Donc, Restroom, bon, peut-être les menus au niveau ne seront pas les mêmes, mais la méthodique de travail est identique. C'est comme régler un volant. Vous réglez votre volant sur Restroom ou sur Assetto ou sur Project Car ou peu importe, mais la méthodique restera la même, sauf que là, la sensation sera différente, bien entendu. Alors, pour faire le visuel au niveau de la fumée dans les miroirs. Alors vous devez tenir compte, tout ce que les rétroviseurs, le miroir central, c'est un bouffeur de frame également. Ça a l'air con, mais c'est vraiment énorme parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi les textures, il y a les vinyles, donc la qualité des voitures, etc. Ce sont toutes ces. Alors on va dire, si vous additionnez tout cela, vous allez avoir vraiment soit un frame qui est très bon parce que votre PC le permet, mais si vous avez un PC moins performant et que vous allez ouvrir des options inutiles ou qui se voient très peu, moi en tout cas, bon, le smoke, mon PC le permet. J'ai essayé, il n'y a rien de mal à le mettre sur normal ou low. Vous allez voir en fait un peu moins d'effet, mais ce n'est pas flagrant. De toute façon, vous regardez plus devant vous que derrière vous, donc c'est à vous de trouver le bon compromis. Mon PC le permet, mais je peux vous dire que ceci également est un bouffeur de frame. Donc ici, c'est à vous de voir aussi si vous l'activez ou pas, ou si vous le réduisez. Ça, nous reviendrons par après. Donc ça, c'est pour la suite de ce dossier. Ça, c'est vraiment un point très important. Alors, qu'est-ce que vous pouvez encore voir au niveau panneau de configuration des options? Ça ici, ben, il n'y a rien, un truc. Ça, c'est tout ce qui est champ de vision et etc. Et alors, les dernières choses, ce sont les reflets. Ça, c'est également un bouffeur d'images à la seconde. Alors ici, c'est le même principe, c'est la résolution de la qualité de votre rétroviseur. Alors, vous pouvez faire le test, mettez sur off, là vous allez rien voir, et puis vous montez progressivement. Moi, je conseille toujours de travailler de cette méthode-là. Ne faites pas de zéro, de off à high. Montez progressivement. Vous faites d'abord off, vous faites normal, vous faites high, et vous voyez à ce moment-là, et vous retestez, hein, parce que oui, c'est un peu du boulot au départ, mais chaque fois, vous devez aller sur le circuit et tester. Donc ça, c'est vraiment une méthode de travail. Vous voulez le faire et vous allez voir des résultats, parce que moi, je vous dis, il y a des résultats vraiment flagrants au niveau image à la seconde, mais ça vaut vraiment la peine de le faire. Pareil pour ceci, c'est la qualité de votre miroir au niveau réflexion. Vous pouvez le décocher et là, vous allez voir que vous allez gagner en image. Je parle ici de peut-être de 2 ou de 3, de 1, de 4, mais pas de 20 naturellement, mais 1 ici, 1 là, 2 là, 3 là, ça va vite à 10 et là, vous gagnez quand même directement quelques images à la seconde. Pareil pour la qualité au niveau réflexion et pareil au niveau du rendu ou du rendering de la fréquence de réflexion. Donc ici vous avez aussi des possibilités non, low, medium, high, etc. Il est possible que chez vous, bah tiens, votre configuration, bon, moi je l'ai mis sur high parce que moi mon PC le permet et ici il le permet aussi en ultra. Vous pouvez le mettre en statique, vous voyez, ce sont toutes les possibilités de réglage que vous avez. Moi de nouveau, j'insiste là-dessus. Si vous voulez avoir un bon framerate, vous suivez, allez, vous n'êtes pas obligé, mais j'ai pris mon temps à vraiment tester tout ça. Alors, essayez de vous-même, par vous-même, de vous convaincre à tester ça et de dire, bah, tiens, effectivement, j'ai gagné 5 ou 10 ou 15, et vous le mettez dans le commentaire. Ben voilà, c'est le but de la communauté, c'est le but de mon tuto, c'est le but du projet que j'ai pour 2018, c'est de vous partager, ben, non seulement ma passion, mais de vous partager vraiment afin d'optimaliser votre jeu et prendre du plaisir, beaucoup plus de plaisir. Et voilà, ça, c'est un peu le but, donc c'est à vous de tester et de faire au fur et à mesure. Donc, j'insiste bien concernant. Vous avez vu pour le panneau de configuration, mais vous avez surtout vu pour la configuration dans le jeu. Faites par étapes, ne commencez pas à cocher tout. Vous commencez d'abord par la synchronisation. Vous allez dans le jeu, vous testez. Ok, c'est bon. Ok, je laisse allumer ou j'éteins. Et vous faites ainsi de suite. Et une fois que vous avez trouvé votre bonheur, là, à ce moment-là, vous allez voir la différence. Allez, en tout cas, donnez-moi votre feedback là-dessus. Ça, c'est vraiment très important. Voilà, donc nous allons passer à la suite de ce dossier concernant le tuto.
partie 3 de sur Assetto Corsa. A tout de suite. Voilà, donc nous sommes dans la suite de ce tuto dossier consacré à Assetto Corsa. Nous sommes dans la partie 3 et nous voyons donc les graphismes et réglages et comment améliorer les frames. Alors peut-être pour vous donner une petite astuce, si vous posez la question, bah tiens, comment puis-je voir dans le jeu les images à la seconde qui sont affichées, bah, soit dans le coin gauche ou coin droit, etc. Vous avez différents logiciels pour le faire. Bon, vous avez par exemple Fraps, vous avez soit certaines cartes graphiques comme la mienne Nvidia ou un petit logiciel qui permet de, voilà, de le faire afficher où vous voulez. Mais je voulais quand même vous montrer une astuce qu'il existe aussi sur Steam, la possibilité de faire afficher vos images à la seconde n'importe où vous voulez sur votre écran. Alors pour cela, vous allez simplement dans Afficher. Donc vous êtes sur Steam, vous allez sur Afficher, vous allez dans Paramètres, vous allez ce cadre qui va s'ouvrir, et puis vous allez dans Jeux. Et là, vous allez voir compteur de FPS en jeu. Là, vous avez la possibilité de dire, ben, normalement, il est désactivé. Et vous avez la possibilité de mettre en haut à gauche, en haut à droite, en bas à droite, etc. Moi, je le mets par exemple ici, OK, en haut à droite. Et je vous conseille de mettre celui-là, couleur très contrastée. Et en fait, il va apparaître ici dans votre écran droite. Et vous allez mieux le voir quand il est coché couleur contrastée. Et ça, c'est une bonne astuce parce qu'à ce moment-là, il reste apparaître là. Et là, vous pouvez commencer à faire vos tests et de dire, bah, tiens, quand j'active ça, bah, je diminue de frame. Quand j'active ça, j'augmente, etc., etc. Il y a un système de benchmark dans Assetto Corsa. Je l'ai testé, mais je trouve que c'est mal foutu parce que c'est, voilà, ça ne donne pas la version finale que moi j'estime qu'il faut tester. Pour pouvoir faire un test correct, vous devez faire un test de deux manières. Vous devez faire d'abord un test avec les réglages que vous avez fait, puis vous rentrez sur un circuit, vous prenez une bagnole et vous prenez un circuit. Un circuit n'est pas l'autre, tenez compte aussi, il y a des qualités de circuit. Vous avez des circuits qui a beaucoup plus de détails, il y a beaucoup plus de calculs à faire, vous voyez, ça change énormément. Donc moi je vous conseille de faire de cette manière là et puis vous faites par exemple une course avec 10 voitures, 15 voitures, 20 voitures, et vous voyez comment se comporte votre frame rate. Et là, à ce moment là vous pouvez vraiment utiliser toutes les options en fonction de votre configuration. Moi je vous ai montré pour ma config, elle va peut-être s'adapter pour votre config si vous avez une config à peu près similaire, mais si vous avez un PC un peu moins puissant, eh ben, vous avez la possibilité ici de donner un confort visuel en ayant une qualité minimum, mais surtout d'avoir un bon framerate. Ça, je pense que pour un jeu de course, pour un jeu de simulation, ça reste le numéro 1 qu'il faut opter, c'est d'avoir au moins minimum 60 images à la seconde. Et je parle vraiment constant, que ce soit avec une voiture ou 20 voitures sur le circuit, c'est ça qu'il faut essayer d'avoir. Donc ici, la petite astuce pour voir le petit cadran où vous voulez sur votre écran, vous allez dans Afficher, vous allez dans Paramètres et là dans un jeu, et vous choisissez compteur de FPS en jeu. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite de ce dossier. Voilà, donc nous sommes ici dans la suite de ce tuto dossier consacré à la partie 3 de Assetto Corsa. On a vu quand même pas mal de choses, on va dire les 15 premières minutes. Vous avez vu au niveau réglage, graphisme, on a parlé de l'amélioration des frames. On va parler ici aussi de comment améliorer la qualité visuelle de votre Assetto Corsa. Moi je peux vous dire en tout cas, en effectuant, on appelle ça des mods, mais il y a une panoplie de mods sur internet. Moi je reste toujours travailler avec le fameux Res Department qui est pour moi le site numéro 1 concernant les mods, mais il y a énormément de possibilités, que ce soit au niveau amélioration graphique, qualité, que ce soit au niveau rendu, que ce soit au niveau météo, il y a énormément, il y a une tartine. Naturellement, s'il faut commencer à tester tout ça, ce que j'ai fait, j'ai pris le temps à faire, ça m'a pris une plombe à faire, je l'ai fait pour vous le partager. Il y a aussi des préférences de chacun, mais il faut tenir compte qu'à un moment il faut arrêter, on peut continuer à améliorer un jeu visuel, mais au détriment de quoi? Donc ici à un moment j'ai fait un compromis entre visuel et performance, mais surtout au niveau fluidité, donc au niveau framerate. Donc ici j'ai fait une sélection de qualité que moi je trouve que vous allez remarquer directement dans votre jeu. Je vais vous montrer en même temps quelques screens que j'ai fait
dans le jeu in-game. Voilà, ce sont les rendus que vous avez peut-être dans Assetto Corsa. Moi, je les ai peaufinés parce qu'il y a quelques réglages ou quelques petits trucs que vous pouvez améliorer, qui va améliorer, on va dire, visuellement votre jeu, que ce soit au niveau texture, que ce soit au niveau circuit, décor, beauté du décor aussi, parce qu'il y a ça, je vais vous en parler d'ici, on va dire, quelques minutes ou dans la suite de ce tuto partie 3. Mais ça, c'est un peu le but de vous montrer que on peut améliorer qualitativement le jeu, et je peux vous dire, mais ça, c'est à vous aussi de découvrir. Lorsque vous avez fait les tests au préalablement de framerate, comme je vous ai expliqué, quand vous installez un mod, je prends ici l'exemple, le mod que je vais vous montrer plus tard, faites un test avant et après, mais j'insiste toujours bien, c'est de faire un backup. Ça, je vous montrerai par après qu'est-ce qu'il faut sauvegarder, parce que de nouveau ici, vous avez vu dans les dossier précédent, la partie 1, 2, etc. Vous avez vu comment mettre des circuits, mettre des voitures, etc. Et mettre du son, qui sont très simples, qui sont pas compliqués, qui c'est simplement un copier-coller. Faut toujours faire un backup, mais bon, là vous risquez pas grand-chose. Par contre, nous arrivons ici dans les étapes amélioration au niveau post-processing effect, etc., qui sont déjà un peu plus complexes, mais surtout suivez bien les étapes, parce que sinon, si vous faites une mauvaise manipulation, je suis pas responsable. Moi, je vous conseille de faire un backup très très important, mais surtout suivez bien ce que moi je conseille, et voilà. Bon, ben, si vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, moi j'ai fait tous ces tests pour vous, donc voilà, c'est pour les partager que je les ai faits, et c'est à vous de par après vous donner ou de me donner votre compte rendu. Vous êtes en train de voir donc toutes ces belles images que je vous montre. Ça, c'est le fameux mod qui va vous permettre d'améliorer graphiquement vos circuits. Ce sont des détails comme les panneaux, les décorations. C'est tout un update qui a été fait, c'est un boulot immense. Je vous mettrai le lien où de pouvoir le télécharger. Mais en tout cas, il y a des passionnés énormes qui prennent un temps énorme pour les autres. Parce qu'en fin de compte, ce sont des gens peut-être qui jouent très, très peu, et ils sont tout le temps occupés à améliorer un jeu, que ce soit au niveau montage, que ce soit au niveau graphique, au niveau aussi. Et ben, je pense qu'il faut aussi de temps en temps pouvoir dire, ben, tiens, chapeau, ces gens-là investissent énormément de temps pour nous, entre guillemets, pour nous en tant que gamers, en tant que passionnés. Et voilà, donc ça, c'était quand même un petit point que je voulais préciser. On va se retrouver maintenant directement dans le jeu pour juste simplement voir de quoi va-t-on parler. Nous allons parler ici de post-processing effect. Donc ici, nous allons améliorer la qualité du jeu au niveau visuel. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons directement dans le jeu. Alors, vous avez vu au niveau réglage, je vais pas revenir dessus, mais vous suivez vraiment bien la vidéo, et là vous allez comprendre. Vous avez ici dans les effets une chose qui s'appelle post-processing effect. Bah, ici chez moi, je l'ai désactivé pour vous, mais normalement, vous devez voir chez vous en fonction de votre configuration. Ça-ci est un buffer également de framerate. Donc ici, ça c'est en fonction de votre configuration. Si vous avez une bonne config, moi, je vous conseille de l'activer. C'est ce que moi j'ai fait. Alors, vous avez ici de nouveau pas mal de réglages à faire. Moi, en tout cas, ce sont les réglages que moi j'ai opté en fonction de ma configuration. Il y a peut-être un point que vous pouvez voir s'il faut. Bon, je suis encore en train de voir si je vais pas l'activer ou le désactiver. Pour le moment, il est activé. Ça, je suis encore un peu testé. Ça, c'est en fait, c'est un effet de chaleur. Vous imaginez, il fait chaud, vous allez avoir un genre de vapeur chaleur. Vous voyez ça sur le circuit ou les voitures, etc. C'est un buffer de framerate aussi. Quand je dis buffer, c'est pas 20 framerate, hein. Je parle peut-être de 1 ou de 2 au maximum, mais 1 là, 5 là, 2 là, 1 là, voilà, ça fait directement une accumulation de framerate. Et en fin de compte, vous passez de, par exemple, si vous avez 60 images secondes et vous en avez plus que 50, et voilà, on diminue inutilement, parce que ce sont des choses qui sont quasiment inutiles pour dans certains cas. Alors, pour le post-processing effect, voilà la config que moi j'ai opté. Donc vous pouvez éventuellement tester ça, et là vous pouvez jouer en fonction de vos PC, hein. Donc ici vous avez low, very low, etc. Moi j'ai mis sur high, qui est largement suffisant on va dire, pour ma config. Mais ce qui est le plus important, c'est pas ça, c'est déjà une chose, mais c'est ceci. Vous avez en fait ici toute une possibilité de réglage.
Ceci, en fait, ce sont des genres de filtres. C'est comme un peu, on pourrait comparer ça avec un appareil photo et vous changez les filtres, vous améliorez la qualité, voilà, en fonction des circonstances. Bah, imaginez-vous, vous voulez faire la photographie ou plutôt prendre des photos avec Assetto Corsa. Ben voilà, vous avez ici un filtre qui est spécialement conçu pour prendre des photos. Vous avez vu quelques screens, en tout cas sur ce que je vous ai montré. Ben ça a été mis dans l'option photographie. Pourquoi? Parce que là, vous allez, ben, comme vous n'êtes pas dans le jeu, vous n'êtes pas en train de jouer, mais vous allez, on va dire, vous allez pousser vraiment votre jeu à l'extrême, vos PC à l'extrême pour vous donner vraiment toute la qualité optimale afin de prendre une photo, que ce soit en 2K ou en 4K, etc. Voilà, donc vraiment monter au plus haut de la qualité. Et bien là, je vous conseille de mettre ça sur photographie parce que là, à ce moment-là, vous allez vraiment voir une grosse différence. Standard, lorsque le post-processing effect est activé, il est sur défaut. Ça, c'est voilà, c'est la base même sur Assetto Corsa. Moi, après tous les tests que j'ai faits, et là, je parle sans les mods que je vais vous montrer tout de suite, après tous les tests, moi, j'ai une préférence. Je vois la différence au niveau naturel, et c'est le nom qu'il apporte. C'est cette option effect pressing, je l'ai mis sur natural. Pour moi, c'est le meilleur rendu, plus naturel. Mais aussi je remarque qu'il prend un tout petit peu, mais c'est vraiment très très peu, prend un tout petit peu moins de framerate comparé au défaut. Donc là c'est vraiment, voilà, on parle vraiment d'un chiwi, ça vaut la peine de le mettre en natural. Voilà, on va se retrouver ici d'ici quelques instants pour la clôture de cette partie 3, on se retrouve directement. Voilà les amis, on se retrouve encore un atterrissage réussi. Donc nous avons vu donc dans cette partie 3 l'importance de faire les bons réglages. Vous voyez ici en haut sur l'écran droite, donc le post-postering que moi j'ai opté, c'est le mode naturel. Moi je trouve quand même en tout cas que c'est beaucoup plus beau, en tout cas c'est ce que moi je trouve, c'est beaucoup plus naturel, c'est beaucoup moins agressif, c'est beaucoup plus moins, c'est en tout cas beaucoup moins contrasté, moins coloré, je trouve ça beaucoup plus naturel. En tout cas l'importance ici, c'est que vous me donnez votre avis, laissez vos commentaires, surtout aussi, voilà, donnez votre feedback, faites les tests comme j'ai fait pour moi dans cette partie 3, suivez naturellement ce dossier en essayant de respecter chronologiquement, parce que c'est un but, c'est pour que je vous explique un peu pourquoi ben je fais ce dossier-là, l'introduction, la partie 1, la partie 2 et surtout cette partie 3 qui est quand même assez importante. Et voilà, c'est important que vous fassiez ce test d'une manière correcte. Comme moi, j'ai passé énormément de temps à faire ce dossier. C'est pour vous le partager, pour montrer, voilà, de quelle manière je perçois ça, mais de quelle manière je l'ai également implanté dans le jeu. Donc ça, vous n'hésitez pas à laisser vos commentaires, etc. Donc, nous allons voir ici. Qu'est-ce qui nous réserve la suite de ces dossiers ou de ce dossier? Nous allons voir en fait dans la partie 4 qui sera également qui est en cours d'élaboration, si je peux m'exprimer ainsi. Nous allons voir en fait dans la partie 4 quand même aussi un truc très important. J'ai essayé de la couper maintenant parce que vous avez la partie 4, vous allez avoir la partie 5. La partie 4 qui est quand même assez lourde, c'est également ben, comment avoir des meilleurs graphismes. Et là, ça sera lié à le post-postering, parce que vous avez vu maintenant, concernant la Porsche que je vous ai montré il y a quelques instants, je ne veux pas dire que ça va encore 10 fois mieux, mais s'il y a, allez, grâce aux mods et grâce aussi à un filtre spécial que moi j'ai testé, en tout cas j'ai testé pas mal de types de filtres qui sont sur le net et qui sont également, parce qu'il y en a au moins une dizaine, même plus, pour encore améliorer graphiquement, mais j'ai dû trouver un compromis entre beauté graphiquement, mais surtout, comme j'ai expliqué dans cette vidéo, c'est de garder pour moi le facteur numéro 1, c'est le frame, c'est-à-dire les images à la seconde, et ça reste quand même primordial. Par contre, j'ai trouvé ici vraiment un bon compromis. Vous voyez sur les images aussi, c'est que vous allez pouvoir améliorer non seulement graphiquement, mais vous allez pouvoir aussi améliorer votre jeu sur les circuits, que ce soit au niveau panneau, que ce soit au niveau finalisation. Vous voyez vraiment, c'est vraiment un truc qui va changer votre jeu. En tout cas, c'est un peu le but aussi de ce tuto. Et en tout cas, je peux vous dire que ça vaut vraiment la peine de suivre ces vidéos. En tout cas, si vous voulez vraiment donner un nouveau souffle à Assetto Corsa, qui a quand même quelques années maintenant. Et ça, c'est quand même une bonne chose qui va pas trop prendre votre temps. Si vous suivez bien ces tutos,
chaud, vous obtenez, on va dire, le même résultat que moi j'ai. Et en tout cas, je peux vous dire que je n'ai plus le même jeu comparé à ce que j'avais au début avec Assetto Corsa. Donc ça, c'est ce que nous allons voir prochainement dans la partie 4. Et dans la partie 5, nous allons voir, en fait, aussi, c'est un tout gros dossier, moi, un peu, ce que je trouve dommage dans Assetto Corsa, c'est que vous n'avez pas de... comment dire, vous n'avez pas de météo évolutif. Ça, c'est vraiment pour moi le gros point noir. Par contre, c'est vrai que quand vous voyez Projet Car 2, qu'il y a quand même une très très bonne gestion au niveau météo en temps réel, c'est un peu le manquement que je trouve dans Assetto Corsa. Alors, j'ai cherché un peu les solutions et bon, là de nouveau, il y a énormément de modes là-dessus. Je les ai tous testés, en tout cas pratiquement tout. Énormément fait de backup, fait des tests pour voir ce qui est le mieux et j'ai sélectionner pour vous le meilleur mode qui va vraiment donner une immersion en plus dans votre jeu, mais surtout au niveau graphisme. Vous êtes en train de voir les images là sur votre écran de droite. Ça va permettre vraiment de donner voilà, des détails beaucoup plus réalistes. En tout cas, nous parlons ici de météo, de nuages, d'effets de lumière. Vous voyez ici par exemple, ici un temps couvert. Ça, c'est ce que vous ne voyez pas sur la, ce que vous n'avez pas sur Assetto Corsa en tout cas. Donc ici, ça va vraiment être aussi un très très beau, une très très bonne partie. C'est la partie 5. Là, nous allons voir vraiment ce que ce mode vaut vraiment et quels sont les avantages. Mais surtout, de nouveau, dans cette partie 5, j'aurai toujours cette priorité numéro 1 d'avoir un bon framerate et ça nous allons voir donc dans cette partie 5. Il y aura normalement une partie 6 et ça c'est vraiment le tout lourd, c'est vraiment le tout gros. Je suis en train de voir éventuellement si je vais pas faire une partie moitié live et moitié éventuellement vidéo. En tout cas, je suis en train de voir parce que c'est vraiment... Ça va être vraiment une toute grosse vidéo qui va, si je peux m'exprimer ainsi, vous faciliter énormément la tâche au niveau utilisation d'Assetto, qui va vous faire gagner du temps, qui a énormément de potentiel dans ce logiciel. En tout cas, bah, je vais vous le présenter. C'est pas moi qui l'a créé, j'utilise vraiment les informations. Mais par contre, ce que moi j'ai fait, j'ai investi énormément de temps pour étudier, tester et de vous faire ici un dossier complet pour vous faciliter la vie et surtout pour améliorer votre jeu d'une manière considérable. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va terminer ici. En tout cas, n'hésitez pas en tout cas à laisser vos commentaires, faites vos tests, donnez vos feedbacks, posez vos questions. Si vous aimez cette vidéo, naturellement, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et naturellement, si vous aimez ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve prochainement pour la partie 4 et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!